Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit épisode sur Ranch Simulator. Et aujourd'hui, on va tâcher de terminer la grange. Alors, j'ai vu le coq faire un truc bizarre sur une poule tout de suite. Je me demande si pour la repro, il se saute pas. Enfin, il se saute pas. Vous savez ce que c'est, hein. Je vais pas vous apprendre les choses quand même, vous êtes grand. Alors, j'aurais bien voulu nettoyer sans que les poules sortent, mais bien entendu, elles sont sorties. Oh, mais il y a des cacas qui volent là. Oh, les cacas volent maintenant. Putain, mais. Qu'est-ce que c'est que ces sacoches qui pondent des merdes? Sans arrêt, il y a même des cacas qui volent ici. Hop. Et hop, je vais récupérer le petit monde qui est parti là. Non, 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 mademoiselle. J'ai dit non. Hop. Et. Viens ici, toi. Alors, sacoche. Tu vas te calmer ou tu vas mourir, toi? Merci. Non, mais elle est en train de m'esquinter à travers le grillage, quand même. Puis il y en a encore une là. Oh putain. Non, mais je peux pas. La roue là, l'autre sacoche là. Tu vas rester là-dedans, oui? Ou tu vas mourir? Elle est pas contente parce que j'ai piqué son œuf. La grognasse là. Oh là là, m'énerve pas, m'énerve pas, m'énerve pas, Maurice, m'énerve pas. Mais elle va me tuer la saloperie là. Putain, si tu te calmes pas très rapidement, tu vas finir en saucisse. Tu vas te calmer. C'est dingue. Je ne peux pas faire ce que je veux avec mes poules sans qu'il y en ait une qui me casse les pieds. Elle va se calmer la poule en colère. Hein. Bon, je finirai plus tard. C'est pas grave. Sinon, je vais lui mettre un coup de chlasse. Et voilà ce qui va se passer. Comment elle fait pour sortir? Bah elle passe par le trou. Ah non mais j'ai pas le temps de faire ma... En fait je rouvre au-dessus, c'est pour pouvoir les nettoyer, sauf que j'ai piqué son œuf et il devait soit y avoir un petit dedans ou je ne sais pas, me le casser les pieds. Allez, hop. On va terminer cette grangeounette. Tranquillement, n'est-ce pas? Tintin. Et du coup, on va aller chasser parce que pour acheter des vaches ou des cochons, je ne sais même pas ce qu'on met dedans actuellement, il va nous falloir de la thune. Et il va surtout nous falloir une voiture. Parce que nous, avec nos petites boîtes, pour l'instant, c'est mort. Hop. Et hop. En tout cas, ce système est très bien fait, j'adore. Le fait d'aller couper des arbres, il faut faire des planches et tout pour pouvoir faire sa grange, je me seux, mais Dieu, je me seux, hop. 1, 2, rabat la queue. Et hop. Et nous avons une réponse, messieurs, dames. Et donc du coup, alors je suppose que maintenant, voilà. Je suppose que maintenant, on peut plus faire une réponse. On peut encore, là? Putain, on peut la faire grande, Nicomoc. Ok. Ah, oh, c'est bien, ça. On peut la faire grande, dis donc. Ok, bah, on va en profiter pour en rabattre un, du coup. Pour préparer. Parce que là, midi, 13h. 13h, 13h, monseigneur. Ouais, ok. Ça vaut pas le coup d'aller à la chasse tout de suite. Donc, on va faire un petit peu les provisions. On va se faire 2-3 arbres en avance. On va tâcher de finir de s'occuper de ses œufs parce que sinon je vais désinguer une pouliche, je crois. D'ailleurs, je ne sais même pas combien on a de poules, hein. J'ai toujours pas regardé. Vas-y, viens, toi, Roger. Hop, il n'a pas le temps d'être abattu qu'il est déjà coupé. Un petit bout. Et hop,
Ok, donc on a terminé la grange pour l'instant, on va les laisser comme ça parce que vraiment, je vais la rallonger tant que ce sera possible et puis finalement ça sert pas à grand chose mais hop. Rallume. Il y a beaucoup plus de gasoil dedans. Donc voilà. Alors, ce soir, on se retrouve depuis pour le guys, messieurs dames, c'est vrai que tout tourne un peu en avant, donc je suis un peu perdu dans mes jours. Et à la base c'était du farming, sauf que premièrement, sur la greenland, je ne peux pas faire de vidéo parce que je voudrais que je fasse le maïs soit en vidéo soit en live avec les autres. Et donc du coup, le maïs n'est encore pas poussé, magnifique putain. Le maïs n'est encore pas poussé, donc voilà. Et même quand il sera poussé, je veux attendre les autres. Donc il n'y aura pas de vidéo dessus. Et sur l'autre, le temps de finir des pans de mon fumier, le labour et tout le soin de soin. Putain, j'en ai encore un petit peu, mais pas beaucoup. Et tout le soin de soin. Je pense que d'ici mercredi je vais être trop court même si je voudrais bourriner le jeu. Alors peut-être que on se retrouvera en fin de labour pour le blé la prochaine fois. Parce que je suis obligé. Il n'y a rien dedans. Ah si, j'ai peur. J'ai peur. On va remettre en route. Donc peut-être qu'on se retrouvera pour la fin de labour la prochaine fois sur la série. Tranquillement. Mais c'est vrai que je voudrais quand même avancer un petit peu avant de refaire un épisode dessus sur la Greenland, c'est mort. Et donc du coup je ne sais pas s'il sortira une map d'ici là, donc j'ai pris une disposition, car on ne sait jamais. Et et donc du coup, au moins il y aura la vidéo pour mercredi. Et puis voilà, de toute façon si ça change, je peux changer à tout moment. Celle-ci ne sera pas perdue, bien évidemment. Alors, il est 14h50. On va essayer de regarder les œufs de ces pouliches. Alors, quand on pique un œuf et qu'elle nous court après, je ne suis pas persuadé qu'il soit pas plein l'œuf, mais je pense quand même. Par contre, alors on va essayer, hein, on va pas tarder de le savoir. Je vais mettre ça là au milieu et l'allumer. Voilà. Putain, mais ils me font une merde là-dedans. Vas-y, puis vous cassez les couilles, vous arrivez. Allez, sortez, bande de connasses. S'il y en a une qui me court après. Bon, je pense que c'est ça, c'est quand il y en a une qui te court après qu'il faut vérifier l'œuf. Je pense. Donc, du coup, je vais pas m'amuser avec ça. Regarde. Hop. Alors, attends. Celui-là, il est allumé. Je vais l'éteindre. Si je prends un œuf et qu'il y en a une qui me court après, il faudra que je regarde. Pour l'instant, c'est pas le cas. On va pas tarder de le savoir. Hein. Hop. Bon, bah écoutez. Moi je pense que c'est ça. Après, je peux peut-être me tromper, hein, mais à mon avis, c'est ça. Donc du coup, celui du bas où je me suis fait courser, il doit être plein. Mais il y a déjà tellement d'œufs dans le panier que je vais pas m'amuser à regarder lequel c'était. On va faire de l'omelette avec et puis point barre. Hein. Par contre, elles ont bien du mal de bouffer, les pouliches, là. Je vois qu'il y a des barres qui sont pas trop bonnes. Je vais regarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, faut vous serrer de là, s'il vous plaît. J'ai vu qu'il y avait un œuf. Mais elle se fout de ma gueule. Qu'est-ce que c'est que ces poules? J'ai pas le temps. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Roger! Il y a autant d'œufs que quand j'ai commencé. Plein de sous. Milliard de dieu, qu'est-ce que c'est que cette sottiserie? Il y a des œufs partout. On m'attaque toujours pas, milliard de dieu. C'est incroyable. Elles ont... Mais elles chient à mesure. Qu'est-ce qui se passe? Alors, un par un, c'est sympa. Mais il faudrait que je regarde s'il y a un truc qui collecte les œufs tout seul. Ça pourrait être cool aussi parce que c'est vrai que c'est rigolo 5 minutes à me collecter ses propres œufs. Mais à force, ça casse les couilles, je trouve. Je vais laisser ouvert ça. Je vais aller ramasser le bordel ici. Il n'y a rien ici, c'est bon. Il n'y a rien ici. Putain, il n'y a plus rien à bouffer.
Alors attendez, bougez pas une petite pouliche, je vais ramener ça. Je vais aller le poser où? Et je vais vous mettre à manger. Hop et hop, pendant que ma fille se plaint. À manger. Mais non, con de merde. À manger, yo et yo et. Putain, mais. Qu'est-ce que c'est que ces vaches à lait qui sont jamais pleines? Est-ce que je vais pouvoir mettre tous les sacs? Hop. Et hop. On va mettre de l'eau en même temps. Et on sera pas trop mal. Alors normalement je devrais être quitte d'aller jusqu'au puits si je fais ça. C'est plein. C'est plein. Hop. Doudou. Allez, emplis-toi toi connasse. Et hop. Miaou, elle fait. Elle fait miaou, Kathleen. Miaou, miaou. Alors, du coup, ferme le boxon. Et est-ce qu'il y a des poules dehors encore? Il y en a une là. Viens ici, toi. On pourra emmener les œufs. Hein. Peut-être avant la nuit. C'est bon, il n'y a plus de poules. Il n'y a plus l'air d'avoir de poules. Alors, je suis con parce que. Voilà. Et voilà. On m'a emmené les œufs avant la nuitée, les petits œufs. Et demain, on ira chasser. Chasser. Et on n'est pas trop mal. Hop. Bah du coup je vais mettre celui-là dans ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Cette saucisse. On va aller vendre ça. Je vais ramener 2-3 sacs de graines si je peux. Alors si je peux déjà. Et du coup on rentrera tranquille à l'aise la merguez. Je ne sais plus où c'est. C'était de l'autre côté. C'était de l'autre côté. Bah oui. Demi-tour droite. Parce qu'en fait, je vais chercher le petit chemin en Théo. En Théo, en Théo. Et puis, on devrait être pas trop mal. On ira chasser le lendemain. Voilà ma bestiole. Voilà ma bestiole qui vient dire coucou. Coucou les gens, coucou les gens. Voilà. Il a les cheveux rouges. Ah oui, il a la peau verte aussi. Regarde. Avec un bout tout rouge. C'est Shrek, ouais. Avec des œufs dedans pour faire des omelettes. Ah bah, il est solide. Déjà qu'on ne peut pas conduire droit dans le jeu, c'est terrible. Oui. T'as jamais essayé pour voir? Non. On va se calmer, hein. On va se calmer, mollo, mollo. Putain. Ah, puis je touche. Alors j'ai toujours pas trouvé la solution pour revendre la voiture. Parce qu'effectivement, avec les bêtisations de Fred. Hop. Et hop. Allez, vends-moi ça, Roger. Des œufs, plein d'œufs. Vendre. Putain, 228 boules d'œufs. Bon ça, Justin. C'est bon ça, c'est bon ça. Putain, il va faire nuit en plus. Hop. Bah sors-moi déjà 3 sacs puis on verra après. Ça me pique le pif. Quand elle aura fini son bordel. 1, 2, 3. Par contre il spawn pas tout. Pas tout droit. Merde. Il spawn pas debout, voilà. T'es en train de chercher mes mots. Ah, pas décidé. Si. 1, 2 et 3. On va peut-être pouvoir en racheter encore un ou deux. Parce que là je ne vois plus rien, faut que j'utilise ma lampe comme dit Chris alors que je l'ai fait plus tard dans la vidéo. Voilà. Au moins deux et puis on verra bien. On verra bien, on verra bien. Vas-y, Abdoul. 1, 2. Chariot. Pof. Comme ça, on fait pas le voyage à vide. Et le lendemain, on prend l'autre et on va à la chiasse. Là, je vais pouvoir mettre le dernier. Je ne crois pas. Je vais essayer, mais à mon avis. Peut-être là derrière. Donc. Ok, je me tire et je vais au lit. Ah, non, j'ai pas touché. C'est pas grave. On va aller à la chasse. À l'ours. On va lui couper la main à Bourges.
Et donc du coup, on devrait se mettre pas trop mal. Pour pouvoir finir notre grange déjà. Et ensuite, acheter un vésicule. Et pour finir... ou alors on continue sur les poupoules. C'est con qu'on puisse pas faire un live, parce qu'en live on aurait pu continuer sur les poules tranquillement et tout, à l'oisé. Je pourrais, hein. Je vais essayer peut-être. Ça rallongera un peu la durée de vie du jeu, en tout cas en ce qui me concerne. Parce que je ne suis pas pressé ou. Et on terminera plus tard. Alors, marteau. D'ailleurs, j'ai combien de poules ici? Parce que, à chaque fois, je le dis, mais... Non. J'ai une, deux, trois... Je vois rien du tout. Il y a voir ici. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Six au-dessus. Enfin, en bas. Et ici, sept, huit, 9, 10, 11, 12, 13 poules et un coq. Donc, et je crois que c'est 20 places qu'on peut mettre dedans. 20 trucs. Sauf que il faudrait une chose, c'est que ce soit... c'est qu'ils se reproduisent. Donc non, bon, on finira la grange du coup. J'ai combien en thunes? Je me rappelle déjà plus. Putain, c'est de votre faute, bande de bataou. 97, on peut faire la porte là derrière avant d'aller au lit. Construction. Eh ben construit. Voilà. Et donc du coup, il me restera, je ne sais plus quoi d'ailleurs. C'est tout dedans? Non, l'eau, je l'ai fait. Ah. Qu'est-ce que c'est ça? Cellule de grange. Ouais, mais on n'a encore pas débloqué cette cochonnerie aussi. Puis il y a une autre cellule là. Est-ce qu'on peut acheter les animaux avant ou pas, vous pensez? Ah, une cellule de... c'est pour mettre de la graine, logiquement. À part si ils ont pas prévu ça comme ça. Et donc du coup, normalement, à l'extérieur, il nous reste ça. Et ici, c'est le moulin. Je peux pas être au four et au moulin. Comme dit Juju. Je t'embête. Hein. Allez hop, au lit. On save. Et au lit. Et on va tâcher d'aller chasser de l'ours. Hop. Ah bah, tout le monde est couché encore, c'est magnifique. Personne n'a encore emballé tous les côtés avec câble. Alors du coup, ici, il faut qu'on soit en bas de la map. En bas à gauche même. Et merde. Bah, tout droit et après à gauche. On va aller chasser. On va aller chiasser. Chiasser de l'ours. Alors, j'ai pas fait le... Enfin, depuis de toute façon, j'y ai pas rejoué, mais... j'ai pas fait le comparatif si la viande de loup se vendait plus cher que la viande d'ours. Mais bon, vu l'aspect qu'elles ont à chaque fois qu'on tue un animal, ça a l'air d'être pareil, je dirais. Ça a des bouts de viande, quoi. Donc, je pense pas qu'ils aient fait la différence entre les deux jusqu'à présent. Alors, je crois que c'est plus loin que la cabane, voilà, qui va arriver à droite. On va trouver notre boulard. Mais bon, globalement, on a terminé la grange, j'ai mon 3 conneries, et puis voilà. Moi, j'y vais avec la voiture, rien à foutre. Je chasse à la voiture. Et, ah, bah si, on a... Putain, il y en a même un au milieu de la route. Au milieu de la route. Putain, bien sûr, j'ai plus de balles. À chaque fois, ça me fait ce coup-là. Il y a trois ours. Oh merde de Dieu, dépêche. Je suis chaud au cul. Je vais tâcher de tirer sur celui qui est là-bas. Qui se rapproche. Est-ce qu'il va venir vers moi? Il est con, ce truc. Ok, il y en a un autre, je l'ai vu. Il y en a un là-bas. Ça a tiré dans l'ordre, quoi. Je suis bande. J'aime ce qui bande.
Pas ce point non plus. Hop. Et vas-y. Amène-moi ma viandesse. Gros chaud, Justine. Alors. Là. Hein? Ah bah oui, et au America. Fuck yeah. Tu n'y connais rien, toi. À la foutre de la chaîne du froid. Ah oui. Ouais, ben là. Putain, on se fait rincer le cul en plus. C'est... Non, c'est pas ton amour. Hop. C'est sûr que la chaîne du froid n'est pas respectée. Hop. Bah là c'est réfrigéré. Avec la pluie ça fait un peu du jus. Mia. Je vais pas pour tout le monde, hein, Dieu. Là. Putain, gros, gros bout de viande. Tac. Je vais pas pour tout le monde, je pense. Hop. C'est ma chaîne du froid à moi. Tu n'y connais rien, Justine. Je sais pas. Je sais pas c'était quoi le mieux. Je sais pas comment je vais me démerder surtout. Ah. Emmerdant. Ah, puis si on pouvait les empiler les uns sur les autres, ça serait sympa, mais... Mon cul. Mais c'est pas vrai. Voilà, alors je joue Lego. C'était plus pratique quand il y avait les autres parce que je pouvais. Ah putain, je vais être obligé de laisser un bout ici. On peut pas monter dans la voiture avec? Merde. Ah mais tant pis, il restera là. Il restera là derrière moi. C'est parti mon kiki. Ah, je le reprendrai un autre jour. Oh, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas de chaîne du froid ici. On s'en bat les couilles. Aisé. Bon. Aisé, aisé. Moi, j'avais encore pas fait trop de chasse hein, sur le jeu. Hein, c'est le premier coup, finalement. Il est déjà 12h. Enfin, Dieu, j'ai tué 3 ours. C'est déjà midi. Il est déjà midi, midi. Allez, viens, là, petit magasin. On va te vendre de la viande. La bonne viande fraîche. J'aime la dépouiller comme les manouches y font les exploitations. Ben, c'est pas des manouches, c'est des turcs. Des trucs. Moi j'ai vu ça une fois, je peux vous garantir que j'ai pas envie de le revoir. J'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. En plus ils poussent ça sur place, rien à foutre. Passer chez moi j'étais content. De toute façon je revendrai pas, surtout pas comme ils font parce que c'est pas trop autorisé quand même. Mais bon, c'est pas moi qui décide hein. Enfin, où j'étais à ce moment là, c'est pas moi qui décidais, ça me se fait peur. Alors on veut à boire et à manger. Oh et oui, hop. Tiens, dis-moi que ça va rapporter plein de sous, ça, hein, Dieu, milliard de Dieu, milliard de Dieu. Hop. La vente. Oh, 385 boules. Sous-boy. J'aime ça. Alors, on va peut-être pouvoir s'en faire un petit deuxième voyage. On va aller chercher une boule qui reste.
comme ça, ça sera fait. Et si je refais la même dose là, ça peut être sympa. Ça nous amènerait à presque 700 boules. Comme ça, on peut faire le moulin, mes couilles, tout le point de soin là. Le petit bout de viande sur la route. Ah, j'aime pas, ça va cacher de la viande, c'est dommage. Alors, je sais qu'il est, il est là. Oh, il y en a un! Il y en a un, puis il est barré, le con! Là, tu vas voir, parce que tu vas voir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il a apprivoisé celui-là? On peut ouvrir la porte? Mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans aussi? Putain, on peut pas y aller. Ah, le truc. Chiasse. C'est un ours qui est apprivoisé. C'est un ours de bonne famille. Ni combo. Chiasse à qui? C'en est un, ça? C'est un ours, ça? Non, c'est un caillou. Non, c'est un ours. Non, c'est un caillou. Putain, meuble ribou. Oh, dingue. Mais tu vas me dire que tu peux pas monter ça? Je veux un nounours. Je veux un nounours. Ou n'importe quoi, hein, je m'en fous, hein, tout fait l'affaire. Je tire à vue, moi. C'est la différence. Merde, entre un bon, un mauvais chasseur, c'est pas un ours là-bas? Je vois des ours partout, même c'est des cahiers. Allez, où que je passe? Donnez-moi des nounours. Sale bête. Je chasse le lapin. Ah ouais. T'as vu, c'est rigolo. Bah oui, c'est rigolo. Oh putain. Sac à merde! Putain, mais je suis bourré. Et you fucking to me? Et il est trop loin? Qu'est-ce que c'est que cette satanerie? J'ai tiré dessus, je suis pas fou. Il y avait rien qui me gênait en plus. Puis j'ai mon gros phare sur la gueule déjà, j'aurais déjà pas ça. Il m'aurait peut-être pas vu. Hein. Vas-y, viens, viens là, pointe ta gueule. Il vient en place sur moi, le con. Tiens, au revoir. Si. Elle nous fait chier, la Brigitte Bardot. Faut pas faire de mal aux petites bêtes. Bon, ça c'est fait. Tais-toi. Non, je ne suis pas d'accord. Laisse-moi faire. Laisse-moi chasser. C'est pour toi que je chasse. Tu manges la bonne viande pour que tu deviennes grande et forte comme ton papa. Miaou, miaou, elle fait miaou. Ah ouais, il me semble que c'est des plus petits bouts, les machins de serre. Hop. Bon, la chasse n'est pas très bonne aujourd'hui quand même, hein, Roger. J'ai connu mieux comme chasse. Hein. Hop. Et hop. Alors, c'est reparti. Suivante. Au suivant. Premier qui vient, premier qui passe, j'ai l'œil. J'ai l'œil, je tiens. J'ai l'œil, je veux te faire un arbre. Non, non, plus. Les ours, ouais. Ça m'est déjà arrivé. Faut prêter attention, moi j'ai vidé le chargeur sur le premier venu. Hein. Get down. Mais sale bête, à chaque fois qu'on les vise, ils foutent le camp. Alors qu'ils ne sont pas censés nous voir. Non mais ils se foutent de la gueule du monde, je tire en plein dedans. Maki. Ta faute. C'est bon, j'ai tué ma vache. Ça, c'est pas une vache. Mais ça bouffe comme une vache, ces saloperies là.
Il est pas mort? Bah merde. Il est pas mort. Puis l'autre con là, il est toujours pendu dans un arbre. Bah. Je l'ai entendu faire mu. Il est parti le lapin? C'est qu'il est là, sa coche. Je croyais qu'il était mouru. Ah non, c'était juste de l'autre côté de la butte. Merci, je sais. Je sais où est l'avant et l'arrière, je m'appelle pas Justine. Oh non, c'était pas si loin. Bah merde, eh ben tant pis. Il est pas mort, il va s'en aller avec du plomb dans le trou de balle. Ah, je sais, je l'ai loupé, je sais, je sais. Ne t'énerve pas mon bébé, je l'ai loupé, c'est rien. Alors. Mais Nick. Oh, il est là. Tain. Putain, il se met en opposition. Mais il fait chier cet arbre. Tiens. En plus, il devait être buggé dedans parce que j'ai pas eu. Il a pas bougé. Ou alors il avait envie de mourir. Hop. Voilà. Ça, c'est de la chasse. C'est de la chasse de braco. Hop. Et viens là, ma biche. Oh, oh putain, celui-là était bien grave, hein, Dieu. Ça va me faire des bonnes côtelettes, ça. Ça va, mon chéri, tu vas bien grandir avec ça. Allez. Encore un petit, là, pour remplir le restant de la caisse. C'est des plus petits que l'ours. On va changer de forêt. Oh! Pleine tête, une balle, et c'est terminé. Tiens là, viens là, vieille vache. Ça c'est fait. Suivant. Il y en a un autre qu'on veut. J'offre. J'aime ça. On va peut-être faire du BF, Maki. Hein. On va peut-être faire du BF. Parce que là, je me sens bien chaud, hein, Dieu. Bien chaud, bien gros. Hop. Allez, mets ton gros pâté là-dedans, là. Oui. Ah, t'es fier de moi, maintenant, hein, que je l'ai eu. Hein. Alors. Je te montrerai, t'inquiète pas. On fera du BF les deux. Merde! J'ai shooté avec mon retour. Tac. Oh bah non. Elle est en train de regarder. Dommage. Vas-y, j'ai pas envie de laisser le dernier bout là. Hein. Non, j'ai pas envie, c'est pas le moment. C'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ça me rappelle une pub ça, mais je ne sais plus. D'où elle dérive la pub. Taras. Si je fais ça. Non, bah pas si loin peut-être. Putain, je suis en train de faire du Mikado. Là, voilà. Tac. Tiens, et normalement les autres, ça devrait passer. C'est pas gagné. Hein. Putain, pour un bout. Ah. Le dernier coup, j'ai réussi à en mettre deux l'un sur l'autre, mais j'ai pas fait exprès. Tiens, voilà. Et bah voilà. Le magasin est juste là. Un peu comme. Attends, ma grosse. On va tuer. Je te ramène des bons goûts. Ferme pas ton magasin. C'est pour le repas du soir. Putain, déjà 35 minutes de vidéo, c'est de votre faute. Bip bip, salope tété. Justine va bientôt déballer ses nichons. Pour son baba nous. Oui, c'est rigolo. Allez hop. Putain, ce voyage là. Oh, oh oui. Encore mieux que le premier. On a fait combien le premier? 380, une connerie pareille? Non, je me rappelle plus. Il y a plus de gros dans le premier, par contre, je crois. Putain, pour décharger. Tiens, je te ramène la cueillette du jour. Tu vois, t'as pas de déçu, regarde donc. T'as vu tout ce que je te ramène? Je te pose ça sur le paillasson, t'en fais ce que tu veux. Tu torches un peu le cul avec, et puis après tu le fais cuire, et puis voilà. Parce que,
à la limite pour vendre la viande, ce qu'ils auraient pu faire, c'est autrement que ça, hein, parce que là, j'ai l'impression de mettre ça sur le paillasson de l'entrée, et puis c'est dommage de se faire chier à chasser tout ça pour le mettre là au milieu, comme un gros cochon. C'est dégueulasse. Déjà que Juju, elle dit on respecte pas la chaîne du front, on met ça dans le pick-up, rien à foutre, dans le quad. En plus de ça, pour vendre, on met ça sur le paillasson. La guerre comme à la guerre. La guerre comme la guerre, voilà. Hop. Oh oui, 455, monseigneur. Je suis à 862 boules, milliards de dieux. Du coup, bah, c'est là-dessus qu'on va stopper, messieurs, dames. Je vais rentrer tranquillement à la ferme avant de couper le jeu. On a 800, je vais pouvoir, hop, je vais pouvoir terminer. Quoique, pas combien je suis. Putain, je suis bientôt. Je suis bientôt à 36 minutes de vidéo, bordel de merde. C'est de votre faute. Quoique, on peut peut-être finir monter les cellules à grains avant. Et puis il y avait quoi d'autre? Il y avait le moulin là aussi, le moulin avant. Allez, on va faire ça. Putain, voilà, je retarde. Et puis demain, on est encore en vidéo, hein? Non, je vais pas la foutre en ligne, ça va aller. Ah bah bravo. Voilà, tu vois quand t'as trop faim. Je t'ai ramené de la viande pourtant, hein, mais. Alors attendez, on va construire ça pendant qu'on y est. Hop. Et hop. Il va faire tout noir. Ta gueule. Il va falloir abattre. Avec l'arbre dedans, c'est pas gênant là, rien à foutre. Oh, ça fait un style, hein. Moi j'aime ça. Hein. Comment ça se passe ici? Je ne sais pas du coup. Ça sera pas pour tout de suite la graine, de toute façon, là encore pas. Là c'est pour faire une raponge, donc on s'en bat les reins. On a combien de sous? On a 612. Je vais pouvoir monter tout ce qu'il faut dedans. Hop. Comme ça, nous voulons équiper, monsieur Dem. Re, désolé. On peut pas être tranquille. C'est incroyable. Et donc, du coup, ici. Et voilà. Donc, nous voulons avec nos cellules. Alors, c'est pas pour le grain, finalement. C'est pour les animaux. Ça fait prison. Ça fait un peu prison, ouais. En effet. C'est pour les chevaux. C'est pour les chevaux. Bah voilà. Normalement, on a fini ici. Ah, on peut encore construire des trucs dedans? Qu'est-ce que c'est que c'est? Chiasserie. Ah, c'est pour mettre des auges? Bah, y a pas assez d'auges dehors. Si tu les ouvert, c'est con ça. Qu'est-ce que c'est cette. Voilà, j'ai encore enculé mon compte. Putain. Putain. Bon, c'est tout. Normalement, il n'y a plus que les réponses de la grange, mais ça sera pas pour tout de suite. Ok. Et bah, du coup, on se laisse là-dessus, messieurs, dames. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve. Bah, je ne sais pas quand pour le prochain épisode dessus. Et puis voilà, là, on pourra refaire un poulailler plus tard. Et puis voilà. Du coup, je vous dis une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine. Ciao.